Bonjour, moi c'est Renard Rusé. Et comme je suis très malin, je vais t'aider et t'accompagner à apprendre l'alphabet en français. Tu verras, ce n'est pas très difficile et on va bien s'amuser. A comme araignée. À moins que ce soit l'araignée qui a piqué Spider-Man, moi je ne suis pas très rassurée. B comme biche. Oh, tu viens, on va s'amuser dans la forêt, toi et moi. C comme canard. J'adore barboter dans la mare. D comme dindon. Oh, il est trop rigolo celui-là. E comme élan. L'élan ressemble beaucoup à son cousin le cerf. F comme forêt. D'ailleurs, c'est ici que j'habite. G comme girafe et comme gaufre. Tu m'en laisses un peu, on partage quand même. H comme hérisson. Oh, il a l'air fatigué. Oh, ça me donne envie de dormir moi aussi. La lettre I comme iguane. Sais-tu que l'iguane adore les herbes au sommet des arbres? La lettre J comme jaguar. Oh là là, t'es trop chou, toi! La lettre K comme koala. Sais-tu que le koala vit dans les arbres? La lettre L comme la lune. Oh, voilà que j'ai encore sommeil. La lettre M comme une mouche. D'ailleurs, moi les mouches, quand elles viennent sur ma nourriture, je n'aime pas trop ça. La lettre N comme un narval. Tu sais qu'on l'appelle aussi la licorne des mers? La lettre O comme ours. Oh, même s'il a l'air très gentil, j'espère qu'il n'a pas très faim. Je n'ai pas envie d'être son dîner. La lettre P comme poisson. Il est trop marrant. Il a l'air très énervé quand même. La lettre Q comme un coq. D'après mon enquête, je crois que c'est lui que j'entends le matin très tôt. La lettre R comme un renard, donc comme moi. La lettre S comme un serpent. D'ailleurs, le serpent, à ce qu'il paraît, n'aime pas vraiment l'ail. Essayons voir. Oh, je crois que j'ai raison. La lettre T comme un tyrannosaure. D'ailleurs, mon copain Baptiste me dit toujours que le tyrannosaure est un carnivore. Moi, je ne veux pas m'approcher de lui. La lettre U comme un huneau. Tu sais que le huneau vit dans la forêt tropicale, dans le nord de l'Amérique du Sud. Il ressemble aussi à son cousin, le paresseux. La lettre V comme vache. Il ne te resterait pas un petit peu de lait, s'il te plaît, pour en mettre dans mon chocolat? La lettre W comme un wapiti. D'ailleurs, tu vois bien que le wapiti ressemble au cerf. C'est normal, ils sont cousins. Et moi, je le trouve vraiment trop chou. La lettre X comme un xérus. Le xérus est le cousin de l'écureuil. Il vit dans le désert dans de très grands terriers. En gros, il a une très très grande maison et il vit tout seul. La lettre Y comme un yak. Hé toi, t'es sûr que tu vois quelque chose avec tes mèches? La lettre Z comme un zèbre. Et le zèbre? Je joue au basket avec lui de temps en temps. Nous avons vu l'alphabet en français. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt et d'ici là, be happy!